Salut tout le monde, c'est Eldezo. Et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 9, je crois. Et d'ailleurs, on a un appel. Jackson a disparu. Je suis très inquiète. J'allais appeler la police, mais je voulais d'abord vous prévenir. Vous avez bien fait. Il fait ça de temps en temps. Quand il est stressé, il part souvent faire une balade en métro. Vous inquiétez pas, je sais où le trouver. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Si vous n'arrivez pas à le retrouver, il faudra appeler la police. Tout ira très bien, je vous assure. Bon, allez, c'est parti. J'avais peur que Jackson fasse un truc pareil. C'est bien son genre. Il tient ça de son oncle. Il est parti à la recherche de sa mère. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Bonne question. Le voilà. Jaune. Il est là. Allez, c'est parti. Pas moyen que j'appelle un véhicule. On t'a tout préparé. Éclate-toi bien. Alors, elle est où? Elle est là. On essayera plus vite. Oh non. Tiens, bon, okay. Bonhomme, je viens te chercher. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des messages en bas à gauche, je l'ai vu qu'au dernier moment, moi. Apparemment, il y a des mecs qui sont assez trousses. Il y a des sons. Ah là là, il faut toujours qu'il fasse chier ce gamin de merde. Irrécupérable ces gosses, hein. Je te jure. Hop. Je suis pas encore pris de bagnole. Franchement, je m'améliore. En même temps, c'est une putain de ligne droite, le bordel. Aïe, 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 ça y est, voilà. Fallait bien que ça arrive. Ouais, le petit saut de merde. Ah, faut bien s'amuser, hein. Dans la route. Faut que je vous occupe, quoi, merde. Allez. Et voilà, la réputation. Elle fait que baisser tout le temps, merde, la moto, elle était belle, je voulais bien la conduire. Je fais que des conneries. C'est génial. Ça change pas d'habitude. Donc, on arrive. Oh là là, que c'était moche la chute. Voilà. Merde, qu'est-ce que Jackson fait ici? C'est le fourgon de Racine. Il doit penser que sa mère est là. L'endroit est à la mafia. Et après les enchères, ces types vont être sur leur garde. Génial. Oh putain, il y a des points rouges partout. Tuer tous les ennemis. Ah, enfin une mission qui me plaît. En général, ils vous disent de pas se faire repérer. Bon, et il y a des points rouges partout, tu vas me dire qu'il n'y en a pas un seul de visible. Ok, génial. Allez, sort. Regardez, je vois des points rouges partout là. Ah là. Je sais pas si c'est un civil. Ça me stresse. Non, non, c'est pas un civil. Ah, je crois qu'il m'a vu lui. Les autres. Bon, d'ici j'en aurai pas un troisième. On va se bouger. Ah merde. La 2. Il est où, il est où, il est où? Force spécial là, voilà. Attends, attends, attends. Là.
Attention ! Voilà. Je lui tire en plein dans le crâne et il se tient le coup, le type. Oh, toi, même de loin, je pense que c'est possible. Ah non, mais... Regardez le petit flingue, ça devrait passer. Oula, oula. Hé, attention ! Ça va ? Y'a rien. Y'a rien ! Il bouge pas, surtout ! Continue ! Putain, lui, il a fait me voir. Hop ! Tant qu'on vise la tête... Oh, merde ! Oh ! Voilà ! Ça sent la mouise. Ah oui. Vite, sorte ça, sorte ça. Allez. Oui. Déjà un moins. Enculé, comment ça se rend. Je les vois même pas. Là-bas. Pourquoi ça tremble ? Ils vont pas s'arrêter le geyser là ? On s'écarte un peu parce que sinon, impossible de viser quoi. Il commence à être un peu loin là. Oh, qu'est-ce qu'il recharge maintenant ? Il est chiant. Dès que tu sors, je t'allume. Je t'allume. Si là. Ah, ça va marcher. Oh putain. Tu peux appeler des renforts, lui. Voilà. Il n'y a plus là. Il y a eu plein de trucs à faire exploser. Je préfère tuer avec des balles, je trouve ça plus drôle. C'est au-dessus encore. Je sais pas si on peut le ramasser. Pas les prendre. En gros, c'est juste pour faire une diversion. Comment on monte là-haut ? Ah, mais voilà. Et voilà. Jackson de me regarder. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai tous tués. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas moi, ça. Qu'est-ce que je deviens ? Ok. Bon. Et puis c'est quoi ce chargement ? J'en ai jamais eu. Ah là là.
J'aimerais vraiment pouvoir tout expliquer. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Je sais que c'est pas facile. Écoute, Jackson. Le temps que j'aille m'occuper de ces types, je veux que tu sois en sécurité. Ça me rendra plus fort. Je suis comme le soigneur. Oui, t'es comme lui. Sauf que c'est qu'un jeu. Je vous préviens. Si je n'ai pas de nouvelles de sa mère très vite, j'appelle la police. Elle est passée où, ma caisse? Bordel. Ça va pas le faire. Donc là, je dois être à 14. 14 sur 15, je crois. Le constat est à 13, si je me souviens bien. Non, je suis à 13. Ah, salut mec. Je voulais te remercier pour ce que t'as fait au brick. Et Rack était sur le cul. Mais il croit bien que c'était toi au moins. Ouais, ouais, t'inquiète. En fait, il est trop fier de moi. Et le truc, c'est que je peux pas risquer de l'énerver encore une fois, tu comprends? Il y a un bar pas loin de Rossi Fremont. Je vais laisser quelque chose dans la poubelle à l'extérieur. Un micro. Va le chercher. Écoute, sans déconner, tu lui as foutu la trouille aux enchères. Depuis, personne n'accède au dernier étage sans sa permission. Même pas moi. On sera discret. Oh non, vas-y, sérieux. Ça a l'air drôle, la conversation. Désolé, j'ai coupé encore une fois. Je fais jamais attention. Putain. Bon, c'était la fin de ce. Ouhouhou, celle-là, elle envoie juste... sale. Une bonne accélération. On va voir si elle est maniable. Ça m'a tout l'air. En tout cas, dans la ligne droite, juste pour esquiver, c'est vachement maniable. Oh putain, t'éteins la musique et tu chopes à chaque fois cette putain de radio là où enfin, les infos quoi. En plus, à chaque fois, il y a deux vents en même temps. Ça fait vraiment dégueulasse. Oh, merci, on fait le tour. On va voir si elle glisse ou pas. Non, c'est bon. Ah, franchement, elle est maniable, elle est rapide celle-là. Elle est encore mieux que celle que j'avais tout à l'heure en fait. Ah merde, fallait s'arrêter, j'ai pas fait gaffe. Donc allez, avant-dernière mission. Coucou les filles. Bedbug doit réussir. Je mise gros sur lui. Même s'il est loin d'avoir les épaules. Grâce à lui, je pourrais m'infiltrer discrètement. Enfin, si je l'envoie pas au casse-pipe. Allez, c'est parti. C'était quand même ton père.
Elle est où ma voiture là? Question inutile. Hop. Par où je peux passer? Pas celle-là, s'il vous plaît. M'infiltrer dans ce bâtiment et rester proche du signal de Bedbug. Si on coupe tout contact, il va se mettre à paniquer. Je dois à tout prix le calmer. Donc... Eh, mais c'est... Ah ouais, je reconnais. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Fais chier. Putain. Est-ce que j'ai le droit de tous les tuer? Un en moins. J'espère que c'est pas ce que je crois. Ah si, c'est ce que tu crois. Putain, ça craint là. Hop. De toute façon, c'est pas comme si vous alliez manquer à quelqu'un. Même votre boss, il vous frappe de suite à mon boulet. Ah, t'as regardé là-bas. En plus tu peux appeler. Putain, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Oh non, je l'ai pas eu. Je vais prendre le snipe parce que... Y'a pas un qui est par là? Il est dans le bâtiment. Gagné. On peut plus me voyer. Et toi, t'es le petit dernier. Avec la dernière balle en plus. J'adore ce jeu. Oh merde. Et du people. Tout va bien. Tout va bien, putain. Reste calme. C'est bon. C'est un civil. On va recharger. Alors est-ce qu'il y a quelque chose à choper avant d'y aller? C'est fermé. Tac, déverrouillé. Là, ça risque de swinguer. Même pas. Ouais. Alors, t'es prêt? Ouais. T'es où? Pas très loin. Vas-y. J'ai le doigt sur la touche envoi si jamais tu joues au con. Là, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, la dernière étape. Je me fais choper, moi. Il a confiance en toi, et tu le sais très bien. Y a quoi à l'étage d'Irak? J'en sais rien, moi. Des pièces. Ah oui, il y a une pièce où Irak qui veut pas qu'on aille. Eh ben aujourd'hui, tu vas y aller. Non, non. Y a pas moyen, là, mec. Y a une porte avec un code de sécurité pour entrer. T'inquiète. Pense juste à approcher ton téléphone de la porte, et tu vas y entrer dans cette pièce. Je suis pas une balance. Je parle pas aux flics, moi. Ça tombe bien. Je suis pas flic. J'suis la trouille, mec. Tu m'écoutes et tu bouges quand je te préviens. Tu verras, il t'arrivera rien. Ok, ok. Allez, go. Ouais. Ça craint à mort. Ok, maintenant. Go, go! Avance. Ouais, ouais. Oh putain! Putain! Calme-toi. T'as quel âge? 19, j'ai 19 piges, mec. Merde. T'es qu'un gosse. Ma mémé a dit que j'ai toujours été grand pour mon âge. Ah, là. C'est de la folie! Là, comment il va faire? Il faut un déplacement aussi.
merde, le truc c'est qu'il y a un mec ici. Il va se repérer là, non? Ah, c'était sûr. Faut que je réfléchisse à comment il peut passer par là par contre, parce qu'il y a du monde partout. Hein. Parce que c'est compliqué de choper... Oh putain! Putain! Calme-toi. T'as quel âge? 19, j'ai 19 piges, mec. Merde. T'es qu'un gosse. Ma mémé a dit que j'ai toujours été grand pour mon âge. T'es surtout bien gros, ouais. Go, dépêche-toi. Okay. Putain, mec! Merde! Comment on peut faire? Y'a pas une autre caméra un peu plus... Ah ben là, c'est bon. D'ailleurs j'étais pas là. Putain mec! Merde! Comment il va faire pour lui échapper à lui? Je vais lui dire de se déplacer si vite. Ok. C'est tout qui est la folie. Bon, une caméra maintenant. Sacré à mort! Je peux pas les... divertir ou je sais pas. C'est qui lui d'ailleurs? Oh, faut pas. Comment je fais pour le bac? Ah. On a rien à foutre là. Oh, viens, c'est ça. Allez, ça marche. Allez, avance. Mais vite, vite. Ah putain! J'étais presque. Oh le pauvre. Il a pris quelques balles dans les fesses. Ah, ça c'est cool. Mais pourquoi tu traînes avec ces abrutis? C'est ma famille. Enfin, c'est ce que je pensais. T'as une famille, toi? Ouais. Des gosses? Non. Et toi? Ça se pourrait. Attends, merde, me fais pas rire, bordel. Ouais. C'est pas vraiment le moment. Y'a pas moyen de les attirer vers ici? Aucun. Bon, lui, il a le dos tourné, de toute façon. Donc, normalement... Go, go, baisse la tête. Ouais, ouais. Dépêche-toi. Ouais. Faut pas. Attends. Pourquoi on a déverrouillé la porte si on peut aller là-bas aussi? On peut pas lui faire aller... Putain, mec! Merde! Go, dépêche-toi! Ok. Non mais va à l'intérieur. Ok, maintenant. Sacré à mort! Go! On peut pas rentrer? Allez, on a rien à foutre là! Bon, on a déverrouillé cette porte, mais je sais pas à quoi ça sert. Avance. Donc, okay. On va aller là-bas d'abord. Elle est où la caméra? Là. C'est de la folie! Donc lui, il nous fait des détours. Par là. Ah, ça c'est cool. On n'a rien à foutre là. Hé, qui c'est qui fait ça là? Allez, go. Ça marche! Putain, mec! Merde! Go, dépêche-toi! Oh, ouais! Hé, hey, oh! Allez, avance! Sacré à mort! Allez, on bouge! Tu vois cette porte? C'est des serrures de ouf! Rapproche-toi un peu! Il y aura qu'une seule à pouvoir entrer! Attends, faut que je regarde dans ta caméra. Quelle caméra? Il a dit qu'il fait la caméra. Ah ok. L'ordi est juste là. Mais pourquoi tu fais tout ça au fait? Ça a pas l'air d'être ton monde. C'est trop long à expliquer. On a tout le temps qu'il faut. Irak est impliqué dans une affaire qui fait souffrir ma famille. Et je veux des réponses. Bah c'est pas si compliqué.
Hop. Faut que je me dépêche. Putain, mais il y a des trucs dans tous les sens là. Faut passer comme ça. Comme ça. Ensuite. Passer les uns en dessous. Rapide. Donc attendez, on va regarder avant. Alors celui-là, faut pas le toucher. Ensuite, bon, on va recommencer le début. Hop, ensuite on avait fait, non, vers le bas. Déjà on peut déverrouiller celui-là. Hop, 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 et hop. Celui-là c'est bon. Et maintenant, comment on fait pour faire passer celui-là ici? Dès que je vais mettre le courant, tac, ça devrait le faire. Ah, peut-être pas en fait. On va commencer par ici. Oh, c'est quoi ce... non, c'est pas bon non plus. Donc il va me falloir un accès comme ça. On va le faire partir par là. Comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Déjà j'en ai un ici. Ce que je peux faire, c'est ça. Et rajouter. Carré. Et ici il faut faire pareil. Ensuite, ça nous en fait un en haut. Un autre. Et il nous en faut un ici aussi. Ah, là on a sous-sail. Comment je peux faire? Celui-là il tombe pas de la même manière. Pas moyen de le faire venir. Non. Comment je fais pour le faire venir en haut? Comme ça que ça marche. Il y a un bins dans le système. Petit dernier là, je vais pas y arriver. Ah ben voilà. On a raté. Encore d'utilisation, ça c'est pas bon. Sa mère va qu'à ici. Pour refroidir les serveurs. La vache. Il y a du sacré matos là-dedans. Là, rapproche-toi. Merde. Quoi? Tu restes là. Non. Attends, c'est pas fini. Retourne-y. Bug, c'est quoi ce bordel? Cousin, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais? Et je crois quoi d'après toi? T'es peut-être un putain de Judas, c'est ça? Comment t'as réussi à rentrer? Non, attends! Écoute, je t'adore mon frère, tu le sais! Non! Qui c'est qui t'a payé? Couille! Non! Attends! Merde. Me mens pas, putain! Ah. Essaie-moi de me mentir! C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir pris sous mon aile! Non, cousin, on est de la même famille, c'est pas moi! Il m'a forcé! C'est quoi ce délire? Il est là, tout près! Non! Me lâche pas, cousin! Me lâche pas! Bougez-vous le cul et trouvez-moi cette salope! Génial. Bon, bad bug, c'est fini. Oh non.
Ben Bug. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tout fait comme je lui avais dit. Et Irak, il a tué son propre cousin. On est là, les mecs. C'est à cause de moi qu'il est mort. Enculé, du monde partout. J'ai pas obtenu grand-chose. J'espère que ça suffira. Je sais que je suis chiant, mais là, il y a de la prime. C'est pas ma bagnole, ça? Le roi, connard! C'est lui! Merde, c'est équipé! C'est quand tu veux. Oh, il m'a écrasé. Ah non. Putain. Allez, vite, 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 vite. Ah, j'ai piraté pour rien, là. Putain, y'a du people, là. Putain, ils sont à deux dans la bagnole. Je vais essayer de l'emporter. Le ouais, est-ce que ça va passer? Jamais. Génial. Oh non, la voiture qui est coincée. Bon. Ah merde. J'en ai qu'une. Oh, les voitures, elles ont pas pété. Mais j'ai plus de vie. Oh là là, la merde. Comment finir en 2-2? Dis-moi que t'as quelque chose. Le téléchargement est incomplet, mais on a quelque chose, oui. Son ordinateur est rempli de documents pour faire chanter et... tout le monde, en fait. Écoute un peu le nom des dossiers. Sextape chef de police, Potvin PDG Bloom, Intrusion CityOS... Irak détient l'arme la plus dangereuse de toute la ville. Pas étonnant que les flics lui foutent la paix. Il a dû avoir une discussion avec le chef de la police. T'as accès au contenu des dossiers? Pas encore, mais j'essaie. Il y a un dossier sur l'affaire Merlot. Merlot? Oui, il y en a un. Parfait. J'arrive bientôt. Allez, c'est parti pour la dernière mission de l'acte 2. Enfin, je crois. Avant que c'était pas la dernière, celle-là, normalement. Ok. Allô? Allô, ça marche toujours ce truc? Ben Bug? Il faut que tu sortes de là. Ça y est, t'inquiète. Je me suis dit que je pouvais peut-être t'aider, tu sais, à trouver des réponses par rapport à ta famille. La vidéo qu'on a vue sur l'écran, Irak m'a demandé ce que je savais dessus et sur Rose Washington. Rose Washington? Je sais pas qui c'est, mais elle est dans la vidéo. Irak m'a dit qu'elle était morte. Ok, merci. Ça m'aidera peut-être. Ouais. Sinon, toi et moi, on est quitte. On est quitte. T'as fait du bon boulot. Ok. Ouais, ce serait cool que ce petit rond jaune là, il s'en aille de mon écran parce que j'ai l'impression qu'il est là depuis 50 ans. T'as pas été très discret à recifrer Mante. T'as des bonnes nouvelles pour moi? L'ordinateur d'Irak est rempli de dossiers sur beaucoup de monde. Sur des hommes politiques, sur des dirigeants du CityOS. Il y a même des infos sur le Merlot. Je le savais. Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose. Mais c'est crypté. J'y ai pas accès. Mais tu te rappelles de la vidéo qu'on a trouvée au Merlot? La femme s'appelle Rose Washington.
Rose Washington. Ça me dit quelque chose. Elle bossait pas pour le CTOS. Putain, t'as touché mon rouleau. J'ai suivi ton IP. Ah merde, tu te con. Désolé. Et bon, maintenant tu libères ma sœur. Non, c'est que le début. Cette vidéo a de la valeur pour quelqu'un. Suffisamment pour justifier une attaque sur moi ou sur ta nièce. Fais attention, Damien. Allez, je sais que t'as autant envie que moi de savoir ce qui s'est vraiment passé. C'était pas ça, le deal. Bien sûr que si. T'as dit que c'était crypté. Alors ton job est pas fini. Non, tu peux pas faire ça. Je peux faire tout ce que je veux. Salut, c'est moi. Nikki, comment ça va? Je suis crevée. Mais ça va, il s'occupe bien de moi. Viens me chercher, s'il te plaît. Ok, il y a d'autres personnes avec toi. Bon, ça va bien se passer. Faut que tu te tiennes prête. Je vais venir te chercher. J'ai besoin de voir Jackson. Comment il va? Il est très courageux. Il tient ça de sa mère. Mais il est surtout têtu, comme son oncle. Ouais, ça tu peux le dire. Ce gosse est une vraie tête de mule. Ça suffit. Au revoir. Hop. Ça servait à rien, puisque je coupe tout à l'heure. J'aurais dû m'attendre à ça venant de Damien. Il a une idée derrière la tête. Il en veut toujours plus. Ok. Chaque chose en son temps. Il me faut tous les dossiers compromettants d'Irak. Et une fois que je les aurai, alors je traiterai avec Damien. Ah là là, quel pute c'est Damien. Voilà. Bien. J'ai pas eu grand chose. Le transfert a été coupé. Ah merde. Je le savais. Ok. Va falloir que je trouve un moyen d'entrer tout seul. T'es dingue ou quoi? Même si t'arrives à entrer, on pourra pas le lire. C'est crypté. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Damien retient Nikki, je l'appelle et je lui dis de la garder? Non, bien sûr que non. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il se sert de toi. Je sais, et je lui donnerai rien avant de savoir ce qu'il veut vraiment. On peut pas lui faire confiance. Ça, je le sais. Bon allez, on se concentre. Un seul problème à la fois. D'accord? Si j'arrive à récupérer les données, tu pourras les décrypter? Non, j'ai pas le niveau pour ça, c'est... Qui alors? Pourquoi pas l'autre? L'autre cinglé, là... Tobias. Il bossait ici avant. Ok, commençons par là, alors. D'accord, mais cette fois-ci, il va falloir être discret. Je sais être discrète, merci. Désolé. Ça va. Ok. Waouh. Quoi? Oh. Raymond Kenny. C'est forcément lui. C'est un ingénieur logiciel qui a été engagé pour les débuts du CTOS. C'est lui qui a créé le cryptage. Un créateur se garde toujours un accès secret. Et il peut décrypter ça? Kenny est très très fort. Il a sûrement conçu cette pièce. C'est un génie. Non, non. Plutôt une légende. Et je suppose que c'est dur à trouver une légende. Il a complètement disparu. Personne n'a de nouvelles depuis plus d'un an. Il doit se planquer quelque part. Bon, tout le monde a un historique en ligne. On part de là. On chope le dernier emplacement de Kenny et on remonte la source. Ça fait plus d'un an qu'il a disparu. Ça risque d'être long. Voilà. Il a bien réussi à brouiller les pistes. Mais il est passé par le même endroit plusieurs fois. Maintenant, on décortique le tout pour trouver son emplacement. En théorie, oui. Il faut que tu atteignes cet endroit pour me relier à l'ordinateur. Je lancerai la recherche depuis le bunker. Et on retrouvera Kenny. C'est parti. merde, j'ai encore oublié pour où on sortait. Là-bas. Non. Ah, ici. C'est chiant ce truc. Bon allez, c'est la dernière mission.
On se la garde pour ce let's play. Ça va peut-être faire un peu plus d'une heure au final la vidéo. Mais bon, pour finir un acte, ça peut être sympa. Est-ce que je peux prendre ma bagnole? Allez. Donc disponible en cours de mission, mais te fous pas de ma gueule, depuis tout à l'heure j'en commande. Je crois qu'il y a un bug avec ça. Pff, que c'est chiant. Et le truc jaune là qui tourne, ça fait une heure qu'il tourne, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est le truc de sauvegarde qui marche pas ou quoi. Et ça me stresse. Parce que si mon jeu sauvegarde pas, j'aurais l'air d'un con. Le jeu bug, c'est génial, je suis content. Si on finit par trouver Kenny, faudra faire gaffe. Il est super dangereux comme mec. Dangereux? T'as quoi sur lui? En fait, ça dépend à qui tu demandes. Mais en fonction des sources, c'est soit un lanceur d'alerte, soit un cyberterroriste. Pour faire passer son message, il a provoqué une coupure dans tout l'état de New York. Ouais, je m'en souviens. C'était en 2003. C'était pas juste New York, il y avait presque tout le Nord-Est. Il y a même eu des morts, je crois. Il a provoqué la mort de 11 personnes. Ils ont alors parlé d'une erreur logicielle. Et c'était quoi son message? Kenny se méfiait de Bloom. Il voulait informer tout le monde des agissements de la boîte. Mais à mon avis, il s'attendait pas à ce que des gens meurent. Et depuis cette histoire, il a disparu. Et on est sur le point de le retrouver. T'es en train de te diriger vers l'endroit d'où provient le dernier signal de Raymond Kenny. Il masque sa position en acheminant ses paquets via un réseau d'ordinateurs zombies. Oui, je connais ce truc, c'est efficace. Il a sans doute renvoyé son signal aux quatre coins de la planète. On risque d'avoir un problème si le signal termine en Chine ou dans un pays lointain. Non, il est ici. Il a disparu de la circulation, mais Kenny est un ancien de Bloom. Quelque chose me dit qu'il a voulu rester proche de l'action. Peut-être. Mais s'il était vraiment à Chicago, pourquoi on n'a pas entendu parler de lui? C'est pas le genre de type à rester assis, les bras croisés. Tu m'as dit qu'il avait tué des gens, non? Il doit y avoir une jolie prime sur sa tête. Une bonne raison pour pas faire de vagues. C'est bon. Alors, le point, il est là. J'attendais que ça, qu'elle ferme sa gueule, que je puisse mettre mon point. Parce que je fonçais un peu n'importe où là. Allez. Je me trimballe avec une voiture de merde. Il y a toujours un rond jaune qui clignote, c'est génial. Je sais pas si c'est la sauvegarde automatique qui bug. En tout cas, ça me fait pas plaisir. Aiden, il se peut qu'on ait un problème. J'intercepte plusieurs conversations. Elles mentionnent Raymond Kenny. Bizarre comme coïncidence. T'as pas dit qu'il avait disparu depuis un an? J'ai l'impression qu'on a alerté quelqu'un en repérant le signal de Raymond. Donc on risque d'avoir un comité d'accueil. Parfait. C'est tout ce que j'aime. Allez, déplace-toi. Restez sur vos gardes. On est derrière le camion là. Putain, quoi, t'en trouves en même temps? Ils ont envoyé quelqu'un. Un informaticien, je crois. Ils veulent sûrement récupérer quelque chose sur les ordi. Tu pars d'un contrat pourri. Ils n'ont pas intérêt à essayer de nous niquer sur la fête. Le mot tarif habituel. C'est vraiment un taudis ici. On dirait que personne n'est venu depuis des mois. C'est pas possible! Ces trucs sont censés avoir je sais pas combien de... Ah, au moins. Oh putain, il y en a plein qui ont apparu du coup. Dès qu'il y en a un qui approche ici. Pas de caméra, j'imagine. Ils veulent pas approcher non plus. Ah, ça aurait été tellement beau de tuer quelqu'un avec ça. Pourquoi là, il y a eu un zoom sur la carte? Ah, ça c'est sympa. Ah, mais ils sont dans les bâtiments. Ah non, il y en a un là. Et j'imagine qu'on peut pas le pirater. Il y a rien à faire péter ici. Non. Je vais le faire péter moi-même. C'est bon. Ah si, ils m'ont vu. On va
s'approcher. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'aide! Oh non. Je m'en occupe! Le père n'est pas dessus! Là, quelqu'un veut vraiment ta mort! Ils sont en bas. Sauf un qui est en haut ici. Ça les touchera. Oh. Oh oh oh. C'est quoi toutes ces explosions? Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de trucs. J'ai fait me faire sauter avec. Y'a pas un autre qui veut monter? Putain ça tire. Pourtant on me voit pas. Ah putain. Y a des renforts sur cette fréquence. J'avance. Tout à fait. Mais c'est quoi faire? Vite, vite. Oh, t'es sérieux? Je sais même pas qui c'est qui m'a tué. L'autre, il était encore en train de se planquer. J'ai complètement foiré mon coup. Pas grave. Maintenant, je sais comment faire. Un sniper, je suis au petit flingue. Il y en avait un au fond, je crois. Putain, faut attendre combien de temps là? Ils ont envoyé quelqu'un. Un informaticien, je crois. Ils veulent sûrement récupérer quelque chose sur les ordi. Tu parles d'un contrat pourri. Ils ont pas intérêt à essayer de nous niquer sur la paye. Je veux mon tarif habituel. C'est vraiment un taudis ici. On dirait que personne n'est venu depuis des mois. Pas devant la porte, pas devant la porte. Mais putain, t'es mongol ou tu le fais exprès? En train de faire péter l'autre avec sa propre grenade, il y a l'autre encore qui m'a envoyé une autre grenade. Génial. Pouh, je me suis fait
plombé. Clara, je suis en ligne. C'est tout où je suis, quoi. Attention, j'envoie une grenade. C'est qui envoie une grenade là? Même ou je rêve? Clara. Détroit. Pensacola. Montréal, New York. Il y a encore du monde. Ça c'est franchement relou. Ça m'emmerde. Pas grave. Clara. Si un peu. Je suis en ligne. J'ai oublié de changer d'arme. Putain, que dalle. Le D50 par contre. Oh, je tire un peu dessus pourtant. Tire dessus pile poil quand. Oh putain. Détroit. Pensacola. Montréal, New York. Toi déjà. Le vérifier. Je continue à tirer. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Un truc à faire exploser quelque part. Dernier, hop, il y en a encore. Je sais pas si on rentre par là. Allez, dis-moi, tiens. Ça tourne toujours. Un, et pas deux. Je te tire en pleine tête, voilà. Merci. Allez, y'a plus grand chose. Personne. Bonnie. Sérieusement, t'as pas trouvé. Je ferais mieux d'effacer le disque dur. Personne d'autre ne doit retrouver Kenny. Effacer le contenu du disque dur. Avec un camion-pompier, mais toujours plus. Faut pas qu'il trouve Kenny. Les laisse pas faire. Je sais, je suis sur le coup. Je vais m'en occuper. Fais vite. Putain, il n'y a pas une bagnole, bien sûr. Celle-là, va vite. Vite, vite, vite. Ça va passer vite. Là, c'est bon, tu l'as voir. Oh, elle glisse bien, celle-là, j'aime bien. Allez. Ah, il va sur une grande route. Il va rien avoir à faire. Putain, tu me l'arrêtes.
Aïe 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 aïe. Vite. Centrale, on a le résultat du scan. Ah, pourquoi moi? J'essaie de percuter. Attention, une voiture de patrouille de choc se dirige vers la position du suspect. Je lui ai dégommé la... sa bagnole. Putain, il me gêne. Allez, viens là. Genre, ça l'arrête pas. Pourquoi moi? Y'a pas moyen d'utiliser des EI ou je sais pas. Ah si, peut-être. Allez, là. Voilà, j'ai réussi. Ah non, on peut pas utiliser. Je suis vraiment mal là. Centrale, envoyez les secours, on a un officier à terre. Wow, 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 wow. J'appelle la police. Allez, c'est... Déjà l'hélico. Ah, je peux pas le croire. Bim. Qu'est-ce que c'est? Ah non mais... C'était débile ce que je viens de faire. Je suis allé dessus et je l'ai... Oula, sors. Je vais mourir. Putain, c'était obligé. J'espère qu'on va recommencer au truc de ce magnifique parce que sinon ça va m'énerver. Vu qu'on a déjà recommencé trois fois l'autre. Non. Ça y est. Pony. Pony? Sérieusement, Raymond, t'as pas trouvé mieux? Je ferais mieux d'effacer le disque dur. Personne d'autre ne doit retrouver Kenny. Allez, allez. Et ensuite, course poursuite. Je peux pas sortir le téléphone pour affaire. Merde, tu t'enfuis. Il doit avoir des infos sur Kenny. Je peux pas risquer de me laisser filer. Mais je vais reprendre la même voiture, elle est arrivée stock. Faut pas qu'il trouve Kenny. Allez, allez. Eh, hey, t'as pas le temps de réfléchir. Avance. Elle est où la voiture? Celle-là. Alors, on va essayer de les choper avant qu'ils aillent sur la grande route là, parce que sinon ça va être le bordel encore. Allez, 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 quelque chose pour les neutraliser. Ah, bien sûr. Les EI, ça va pas marcher. Non. À toutes les unités, on nous signale une poursuite à contresens comprenant un véhicule de grande taille. Demande d'unité sur place. Il aurait fallu que je le stoppe. Ouais, tu peux y aller, il est indestructible, bordel. Ah non. Nickel. Hop, on l'a refroidi un peu. Enculé, si je prends un autre truc, je vais exploser là. Heureusement qu'elles sont censées être résistantes, hein, les bagnoles. J'y vois rien. Heureusement qu'il m'ouvre la route, lui. Il va rester juste derrière son cul, comme ça je suis sûr. Il ne doit rien me choper. Là. Déjà, j'ai pas les flics. Maintenant. Hop hop hop. Les voitures, je te rappelle qu'elles doivent rester intactes. Et je suis en train de le perdre. Alors que la neutralisation elle est juste après. Là, c'est bon, on va arriver.
voiture. Si je revois l'autre carré là. Toujours pas neutralisé avant. Voilà. C'est quoi ça? C'est de l'argent? Ouais. Suivez quoi? Mes poignets. Et voilà. Normalement. Je vais voir. Et voilà, qui est Raymond Kenny? Je devrais avoir fini le truc là. J'ai ce qu'il me faut. On est prêt. Quoi? Tu vas vraiment rencontrer Ray Kenny? J'arrive pas à croire qu'on l'ait retrouvé. On l'a pas encore trouvé, mais on s'en approche. Si ça se trouve, il refusera de t'aider. Parce qu'en décryptant tes fichiers, il se retrouverait exposé. C'est un ancien lanceur d'alerte. Les dossiers contiennent bien des infos compromettantes sur Bloom. Sur Bloom, oui, et sur tout le monde. Alors je pense qu'un ancien militant anti-Bloom pourra pas refuser. Quand tu l'auras retrouvé, qu'est-ce que tu comptes lui offrir? On a vu ce qui se passe quand on commence à creuser. S'il nous aide à décrypter les fichiers, il sera exposé. Je trouverai quelque chose. S'il se planque, c'est pour une raison. Ouais. Il s'est retourné contre Bloom, en révélant leur méthode. Alors ça va marcher. T'as l'intention de le menacer? Non. Un lanceur d'alerte, ça a soif de justice. Il cherche peut-être une cause, et j'en ai une parfaite à lui proposer. Et voilà les gens, on a fini l'acte 2, donc on va se lancer dans l'acte 3 au prochain let's play, et moi je vais vous laisser. J'espère que celui-ci vous aura bien plu, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.